l'usage des produits dépigmentants ne tiendra plus le fil, donc moins efficace. Pour accélérer la descente vers la tombe, les amoureux de la peau claire se sont tournés vers d'autres pratiques plus dangereuses, donc hautement nuisibles à la santé. C'est bon de te remarquer, peut-être que tu vas te dire que j'ai de la chance à sortir avec les gros taux, c'est-à-dire les garçons qui ont de l'argent. Il y a aussi le souci de s'embellir, de plaire à son conjoint, s'il aime voir une des femmes teint clair. Et généralement, on dit que les peaux claires attirent les hommes, donc les femmes veulent s'apparenter, veulent être claires pour pouvoir attirer davantage. Qu'est-ce qui vous pousse à vous éclaircir? En fait, ils disent non, que ça leur plaît, la peau claire. D'autres disent que c'est à cause de leur mari. Leur mari leur pousse à avoir la peau claire. Bon, d'autres, peut-être c'est pour la peau. D'autres, c'est peut-être pour mieux se faire voir. Des teints noirs qui sont tellement jolis à voir que c'est pas la peine de les gâter en voulant nécessairement les éclaircir pour attirer les hommes. Des produits en principe destinés aux patients souffrant de troubles respiratoires aigus et chroniques, comme les extrêmes asthmatiques. Compte tenu de la puissance de ces produits, ils constituent la dernière solution en cas de ces troubles précités, après bien sûr l'inefficacité des médicaments ou solutions ordinaires. L'injection de ces produits serait devenue la solution miracle. Dépigmenter la peau, je ne pense pas que c'est... Parce qu'après, on a des problèmes de peau, on dit cancer de peau, on dit la peau est ridée. C'est-à-dire, on ne fait pas ça. Quand tu fais, c'est pour... comment dirais-je? C'est pas pour longtemps, quoi. Quand tu vas avoir comme les 35 ans, les 40 ans, tu vas voir que ta peau va commencer à rider. Les produits éclaircissants, ce que je connais, ce n'est pas bon pour notre peau et notre santé. Parce qu'à la longue, la peau est complètement décapée et la mélanine est complètement partie. Alors que nous sommes dans une zone ensoleillée où nous avons besoin de cette mélanine pour lutter contre les rayons solaires. Donc décaper sa peau entraîne nécessairement l'arrivée des rayons solaires sur la peau directement et le cancer à la longue, le cancer de la peau à la longue. La peau est constituée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Donc il y a trois couches. L'épiderme qui nous intéresse au premier chef est constitué des cellules, donc de l'épiderme, et il y a ça. Donc, et dans cette couche basale, il y a des cellules particulières qu'on appelle des mélanocytes qui fabriquent le pigment de la peau, c'est la mélanine que vous et moi ou les blancs on a, sauf les albinos qui n'ont pas de mélanine. Et c'est pour ça qu'ils ont une peau très très fragile et très jeune. Que ce soit chez le blanc ou chez le noir, les albinos n'ont pas de mélanine. Les blancs sont blancs parce que la mélanine existe chez eux, mais c'est disposé autrement que chez le noir. Et nous, les noirs, donc, nous sommes noirs. Certains Africains sont prêts à risquer leur vie juste pour ne plus être noirs de peau. Insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, l'atrophie musculaire, ulcères, diabète, irrégularité des menstruations chez les femmes, etc. Ce phénomène emballe presque tout le monde entier, l'Afrique en particulier. On a des produits qui éclaircissent la peau, mais naturellement, ça ne décape pas la peau et ça n'a pas d'effet secondaire. On a des produits à base de collagène, à base de glutathion, à base de kojic aussi. Si tu veux te dépigmenter, c'est ça que ton homme aime. De la même manière que ça va rapidement, c'est de la même manière que ça gâte rapidement. Parce qu'après avoir utilisé ces produits-là, elles reviennent toujours vers nous pour trouver une solution. Pour trouver une solution pour réparer ce qui est déjà gâté. Et là, elles dépensent plus. Elles dépensent plus pour réparer parce que réparer n'est pas facile. C'est qu'ils utilisent des produits qui détruisent une partie de l'épiderme et même parfois du derme, avec des conséquences terribles qu'on va évoquer tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle dépigmentation. Et c'est pour des soucis de beauté ou de fausse beauté que les femmes se dépigmentent. Donc, si vous détruisez la mélanine à certains endroits de la peau,
vous avez une dépigmentation. C'est pourquoi la dépigmentation n'est jamais uniforme. Vous avez des femmes au marché qui ont le visage blanc ou la jambe ou les jambes qui sont blancs. Et quand nous les voyons, vous voyez au niveau des doigts certaines parties qui sont un peu blanches que d'autres. Ça veut dire qu'elles utilisent des crèmes qui dépigmentent. Et c'est ça qui est dramatique parce qu'à la longue, il y a des conséquences terribles que nous allons voir tout à l'heure. Les Européens viennent ici pour prendre nos soleils. Hein, c'est pour pouvoir conserver leur peau. Alors que nous, nous voulons transformer notre peau. Alors qu'à la fin, vraiment, c'est catastrophique. Il faut laisser sa peau naturellement pour éviter les rides aussi. À un certain moment, il faut arrêter un peu. Tu t'hydrates la peau. Eux, ils n'hydratent pas la peau, ils laissent la peau sécher. Et après, quand tu vois, il y a d'autres, tu vois les veines se font voir. Ça veut dire qu'il y a même la peau, la chair n'est plus épais. La chair est, comment l'appelle-t-on la chair n'est plus épais, quoi, tu vois, non? Et après, la peau, ça sent mauvais. Quand la personne, il y a la sueur un peu, la personne s'expose au soleil, tu vois que la personne dégage des odeurs nauséabondes, tu vois, non? Si, c'est pas bien, tu agresses ta peau. C'est pas bien. C'est comme si tu enlèves déjà une couche de ta peau. Et ça, c'est pas bien. Moi, je déconseille ça aux femmes aussi. Si tu as une peau noire, moi, j'aimerais que tu utilises des produits qui vont bien la lisser. Une peau très belle, noire, et comment jolie à voir, quoi. Pas trop noire. Oui, tu gommes un peu la peau. Elle reste noire, mais éclatante, quoi. Tu vois, non. Mais ceux qui veulent blanchir obligatoirement, ceux-là, je leur conseille d'abord d'utiliser les produits qui sont moins forts au début. Et après, quand la peau sera un peu marron, clair, là, elles vont enchaîner avec une pommade qui est un peu forte pour que la peau devienne. Il a chanté dans le métro des quartiers chauds de Chicago. Moi, je suis négro et je suis beau. Il n'y a aucun apporo. La destruction de la mélanine par les glucostéroïdes est une bombe à retardement, mais les femmes africaines, les Africains en général, s'en fichent. Il y a quelques années en arrière, c'était considéré comme répugnant de se dépigmenter la peau. Se dépigmentaient seuls les malades cutanés, mais aujourd'hui, certains l'ont choisi pour plaire et d'autres par suivisme. Et je suis négro. Après, tu auras des parties claires, des parties noires. Et des fois, il y a d'autres qui ont la peau qui est rouge, pas blanc. Voilà pourquoi, comment appelle-t-on, les blancs, ils ont su que l'Africain, il aime se décaper. Donc, ils ont maintenant un nouveau système. Ils ont pris le glutathione, ils ont appliqué des produits à base de glutathione et de collagène. Parce qu'on a déjà le glutathione et le collagène dans l'organisme. Eux, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et ce qu'ils leur en donnent, ils vont prendre. Mais ils devaient dire aussi, à côté, les méfaits de ce qu'ils vendent. La preuve sur les boîtes de cigarettes, par exemple, on a mis à côté. Et de ne pas prendre, ils disent quand même attention à la santé. Ils disent quand même attention, même si c'est un petit caractère. Quitte à celui-là qui veut de venir prendre. Donc, il devait quand même avertir. Ouais, bon, c'est un thé naturel. Donc, ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas provoqué cette éclair.